Bien, salut tout le monde, c'est Lendilt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bob l'agriculteur, l'épisode 5 si je dis pas de bêtises. Donc la dernière fois on s'était laissé en plan, donc avec les échelles, donc le craft que je n'avais pas trouvé, et vous n'avez pas fait vos devoirs les enfants, vous m'avez pas dit ce que c'était le craft. Donc du coup j'ai dû aller chercher tout seul, donc j'ai trouvé le craft, et le craft est tout bête en fait, il faut deux sticks au milieu, et des planches en bois sur les côtés. Donc c'était vraiment tout bête, et apparemment j'ai vu qu'on pouvait le faire en plusieurs matières. Donc là vous voyez les planches sont en wack, et on peut avoir des barrières en wack, donc comme elles sont ici là sur le côté, je sais pas si vous le voyez. Donc je me souviens que sur les anciennes versions, quand on craftait des barrières, bah, elles étaient tout le temps la même couleur quel que soit le bois qu'on prenait. Et voilà, donc c'est une petite nouveauté. J'ai vu aussi pour les portes. Donc ça c'est nouveauté de la 1.8, oui je suis un noob, mais je m'intéresse pas forcément à tout ça. Voilà, ok, on a 15 barrières, je pense que ça suffira. On va laisser le bois ici. Alors on va prendre 5, on prend une dizaine. Les graines pour les poules. 63 melons c'est pas mal. Mais écoutez, de toute façon on reviendra chercher tout ça. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà on va réparer le champ des poules. Et on va bien évidemment aller explorer un petit endroit que j'ai remarqué en regardant la dernière vidéo. C'est un endroit vers là-bas, vers la montagne, qu'on n'a pas exploré. Donc je me suis dit bon, on va aller voir ça. Un élevage de poules. Ok, donc là je laisserai ici. Donc il nous en faut beaucoup plus en fait, j'ai mal évalué. Excusez-moi. Donc il nous fera un petit portail aussi, le portail, j'ai pas été voir le craft, excusez-moi. Alors, hop, le bois, je pense qu'on pourra aller faire un petit détour pour aller en chercher. Je pense que ça suffira, voilà, 14, hop, on va faire 7 et 7. 6. Ouais, comme je suis trop fort, eh bien ça, j'aurai jamais assez. Hop, hop, c'est parfait, on a 18. Ouais, donc faudra forcément qu'on s'arrête de chercher du bois à la série, parce qu'autrement bah on sera un peu comme les camps. Donc allez, on va finir le champ des poules. Par contre je sais pas du tout combien, je sais pas du tout si on doit vraiment les faire se reproduire, ou si on doit on les laisse comme ça. On les fera reproduire un peu, qu'elles soient pas toutes seules. Élevage de moutons, ok, donc c'est parti. Donc on va aller déjà voir où en sont nos champs. Ça a bien poussé, vous voyez tous les melons, c'est pas mal, ça y est, donc ils repoussent, on n'a pas besoin de les... On n'a pas besoin de passer un coup de bêche, et je viens de casser les graines de melon. Ah oui, on en a 26 à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Ok, là j'ai replanté, donc ça va pousser, ok. Oui, donc ce que je voulais vous dire aussi, j'ai été très content de voir tous les commentaires qu'il y avait sur les vidéos, donc merci. Parce que je m'attendais pas à ce que cette série vous plaise autant, parce que l'agriculture, bon, c'est un peu con. Enfin, c'est con. On va dire que ça fait un peu plein. Mais ça a été très bien accueilli. Et donc voilà, je suis plutôt content. Et là, je vous prépare une petite série. Vous allez voir qui est un peu différente de celle-là. Bon, ça a pas trop poussé, hein, parce que du coup, moi, je me connecte pas, parce que... Des fois, j'ai essayé, mais je me suis mis sur pause, donc du coup, il n'y a rien qui a poussé. Donc du coup, c'est que, voilà, je laisse un peu pousser avant de commencer la vidéo, mais autrement... Autrement, non. Oui, ça repousse direct. C'est fantastique. Bon, donc on va aller voir là-bas. Donc il y avait deux ou trois maisons, je crois, qu'on n'avait pas visitées. Alors, on a un autre champ encore. Élevage de cochons, d'accord. Donc je pense qu'il y aura d'autres champs, donc d'autres parcelles, où on pourra tout simplement... replanter, parce que là c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu chiant, si surtout on a d'autres graines. Je dis que des bêtises parce que je crois pas qu'il y a autre chose. Il y a le blé, le melon, et je crois que c'est tout. Il n'y a pas de... Oui, il y a la canne à sucre, mais la canne à sucre, de toute façon, je pense pas qu'on aura besoin. C'est pour faire du sucre et du papier pour la table enchante. Je pense pas vraiment qu'on aura d'objectif avec ça. Bon, c'était ces deux petites maisons. Là-bas, j'ai remarqué qu'il y en avait une autre. Alors, on va rentrer ici. Il n'y a rien de spécial. Donc, j'ai été vérifié. Les PNJ n'ont toujours pas spawné. Écoutez, on va faire comme on a commencé. On va finir plutôt parce que
On était bien parti, mais là, j'ai fait que du caca. Ah, c'est le bug de la porte. Ah, un PNJ. Cléric et cléric. Bon. Bien sûr, c'est pas ce que je veux. Enfin, s'il te plaît. Non, excusez-moi. J'ai eu un moment de doute. Bien sûr, c'est pas ceux-là qui seraient les plus désirés, mais bon. Où est le panneau? Alors, mine, tout droit derrière la montagne. Le montagne, une faute, les amis. Alors, la mine. Ah, ça c'est intéressant, une mine. Une petite mine. Parce que, vous savez, avant les crayons, il y avait d'autres sortes de mines. Ça servait plus qu'un crayon. Ah, alors. Danger, oui, effectivement, TNT. Un cop. Ah, deux émeraudes. Ah, vous voyez, elles ont pas été renommées, celles-là. Minecart, Wii Hopper, casque obligatoire. Ah, super. Après les bottes du fermier. Le casque du mineur. Mine 4 secondaires, d'accord. Ok, on ne peut pas passer. Mineur. J'ai rien dans la main, je suppose. Mineur, d'accord. Ok, il faut appuyer sur le bouton. Bienvenue dans une quête annexe. Bonjour, nous recherchons dans la main d'œuvre pour faire exploser un peu de roche. Si ça vous intéresse, faites exploser la roche au bout de la mine. Je le sens mal. Et avec quoi on va faire exploser avec cette TNT? Ça me semble très dangereux. Écoutez, on va déjà aller explorer. On a rien pour nous pousser ici, donc je pense... Oh, une poule. Attendez, on va déjà voir si elle est attirée comme ça. Oui, c'est bien. C'est bien, poule. Ok, nous rentrons dans la mine. Danger TNT, j'ai peur. Attendez, on va y aller à pied. Non, quoique. Ah, oh, ah, mais il y a plusieurs entrées et tout. Et c'est super bien fait. Ah, mais non, en fait, c'est la même. Non, c'était par là. C'est quoi ça? Matériel explosif. Allez, on fait péter. Oh merde. Oups. Oh putain, non. Voilà, c'est bon. Reste là-bas. What? Ah d'accord, c'était censé y aller. Oh, c'est vraiment super stylé comment ça va tout seul. Par contre, il faut le pousser un peu, je pense. Ouais. Allez, vas-y, Michel. On te suit. Non, non, c'était avec un hopper. Ah oui, donc nous, on peut pas y aller, en fait. Ok, c'est bon, ça a explosé. D'accord. Putain, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. J'ai entendu la TNT, mais le temps que je réagisse... Encore? Non! Non, c'est bon, j'ai plus entendu une TNT. Oh, ah, c'est super bien fait, le petit coffre et tout, les flammes. Ah, joli, ok. Donc là, on a découvert des minerais de charbon. Tout ça, t'as encore? Non, je pense que c'est quand on doit s'approcher. Attendez, si on va là. Attendez, on va attendre que le message y parte. Bonsoir, on l'a récupéré. Oh, on a eu un hopper. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Là, si on s'approche. Ouais, ah non, quand on ouvre le coffre. C'est ça, pff, je suis trop fort. Le coffre devait activer une TNT. Ok, donc on a fait exploser la mine, c'est parfait. Moi je voulais qu'on descende, mais du coup on a totalement fail. Enfin, j'ai totalement fail. Ok. Matériel explosif. Allez, on suit. Non, mais non, je me suis trompé. On va se faire une petite balade. Oups. D'accord, on est rentré dans le mur, c'est parfait. On peut pas se faire de balade. Bon, on va sortir de cette mine maudite. Tout a explosé. À cause de vous, monsieur. C'est toi, là, oui, mineur. Ok, on a rien qui nous dit que la quête est terminée. D'accord. Ok, ok. Donc, c'était juste un tout petit endroit, la mine. Bon, je pense pas qu'il y ait autre chose d'autre. Hein. D'accord. Bon, c'était bien sympa, ce petit quête. Danger. Nous n'avons pas touché à ça. Les TNT sont très bien faites. Allez, tu veux ma petite popole là? Donc on va amener cette poule chez nous. Donc si on se tourne, est-ce qu'elle nous suit? Ouais. Alors, on va se faire comme ça. L'aventurier. Allez, viens la poule. Oh, par contre, ça va être très chiant si on doit la ramener jusqu'à là-bas. Allez. Ok, bon, toi, va te faire foutre, tu sais quoi. Tu vas pas me casser les burnes. Bon, on va revenir chez nous, on va essayer de trouver une poule un peu plus proche. Parce que celle-là, je pense qu'on allait mettre 120 ans à la trimballer. Oh, des champignons, c'est super bien fait. Donc, j'ai mis le compteur pour cette fois. Donc au niveau des objectifs, on en est où? Donc on a déjà réparé le phare, ça c'est bon, j'irai voir. On va aller voir là maintenant. Si...
Si, il est toujours activé. S'il n'y a pas eu de bug, de toute façon, on a un autre minecart. Au pire des cas. Donc, il nous reste à acheter tous les champs. à posséder sans émeraude. Oh, il pleut, putain. À posséder sans émeraude. Et à faire un élevage donc de chaque animaux. Donc, il y a les moutons, les vaches, les poules et les... Et les cochons. Donc les cochons on en avait vu hein, là-bas. On va en trouver d'autres. Hein, je pense. J'ai pas l'impression que le phare il marche. Ok là c'est bloqué. En tout cas on va pas se retenter le jump hein, mais. C'est super bien les amis, le phare ne marche plus. Vous voyez la redstone n'est pas fiable. Le phare ne marche plus. Bon, j'irai le réparer en vidéo au pire. Ouais, c'est vrai que c'est chiant ça si le phare ne marche plus. Ah ! Attendez, là c'est éclairé d'un côté. D'accord, c'est éclairé que là, je pense que c'est l'item que j'avais posé. D'accord, donc vous voyez, vaut mieux la bonne vieille méthode. Ah là on a une poule, bon on va essayer d'aller chercher un peu plus près. Donc vaut mieux la bonne vieille méthode de l'item parce que vous voyez leur minecart, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû s'arrêter ou alors il a des pop. Donc du coup, tonton Elendil t'avais encore raison. Encore une fois, vous voyez. Ici on pourrait aller vendre notre blé. Oui, chez Bernie. Tu veux quelqu'un aimer bien Bernie. Écoutez, je ne partage pas ta passion. Écoute, Bernie c'est un être magnifique. Sous sa peau de PNJ se cache un méchant monsieur. Ok, il y a déjà une vache qui est dedans. Est-ce que c'est les vaches au moins? Champ numéro 3 avant de l'oser... Ouais, ok. Là, donc là, c'est un champ. Ah, je crois avoir vu une poule. Non, oh, c'est des fleurs. Ça va être problématique. Bien des éclairs. Oh non, je suis tombé. Non, c'est bon. Ok, donc ça, c'est un portail. On va dessus. Ah, une poule. Je savais bien que j'en ai vu une par là. Poupoule, poupoule. Viens chez moi. Oh, les poules, elles font peur. Allez, suis-moi. Salut ma poule. On va faire comme ça, en mode swag de poule. C'est le cas de le dire. Je vais faire une blague de merde sans m'en rendre compte, putain. Ça devient... ça devient dangereux. Ça devient surtout inquiétant. Oh, on a trop le ciel. Pète le swag. Ah. Ah non, ça y est, elle nous suit plus. Bon, on va faire la bonne vieille méthode. Ah mais elle est partie où? Ah, elle est là. Non, me dis pas que t'es coincé. Eh oh. Attention à la pousse. Viens, viens. Ah voilà, c'est bon, tu es débloqué. Maintenant, on va passer par les marches comme tout le monde. Et au pire, ce que j'ai pensé... Le portillon, on va le voler. Parce que... j'ai un peu la flemme d'aller voir sur un wiki. Allez, viens avec moi dans le champ. Viens dans ma maison. Voilà. Maintenant, tu restes là. Ah ouais, mais ils en font forcément une autre. Bon, déjà, vous savez quoi? On va prendre... Ce petit portillon. J'espère qu'on va le récupérer. Oui. Wack. Attendez, on va mettre le slash weather clear parce que ça commence à me faire laguer. Oh putain. Open to LAN. Alors, slash weather clear. Voilà. Excusez-moi, mais bon. Ça risque d'être très chiant entre moi. Voilà, c'est bon. On a un peu grief sur ce coup-là, mais bon. C'est pour la bonne cause. Donc on va aller chercher un autre petit poulet. Là-bas, je sais pas s'il y a quelque chose. Je pense pas, c'est quand même situé derrière la map. Non, je pense pas. Ah, on dirait qu'il y a quelque chose quand même. Non, il n'y a rien. Pur effet d'optique. Ah putain, je tombais comme une dove. Ouais, non, je pense que strictement... Après, la map est très petite. Hein. C'est vrai que pour ça, je suis un peu déçu. Pour les quêtes annexes et tout le tralala. Et quoi là-bas, j'ai une... Ok, c'est un lac de lave. Pour le quête annexe, je croyais vraiment qu'il allait vraiment en avoir plus. Il disait de l'exploration, mais bon. Bon, bien sûr, il faut explorer, hein, parce que j'aurais pas revu l'épisode, j'aurais jamais fait gaffe à...
à la mine, mais ouais, là on était allé chercher les flèches. L'exploration, on va pas dire qu'elle est... Elle est vraiment nécessaire. Parce que vraiment tout est indiqué, donc bon. Bon! Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie de se faire capturer et de se reproduire enfermé, mais en plein air? Haha, eh oui. Toujours personne. Bon, je pense qu'on va aller prendre notre poule parce que celle qui était là-bas et on va tout retraverser. Excusez-moi, c'est très long, mais bon. Voilà. Hein. C'est Bob l'agriculteur. Hein. C'est ça la vie d'agriculteur. Aller voler les poules du voisin. Récupérer des flèches. Ah putain. Totalement faux. Bon, je pourrais vous en dire un petit peu. Moi, je viens du Pays Basque et... je veux dire, l'agriculture... C'est pas du tout pareil. Si vous croyez que c'est comme ça... Enfin, que c'est aussi facile que dans Minecraft, eh bien, détrompez-vous. Parce que c'est beaucoup plus difficile que ça. Rien que pour gérer et tout, il faut vraiment être fort. C'est pas parce qu'il y a des agriculteurs... C'est pas parce que c'est des agriculteurs que... Il faut croire qu'ils sont analphabètes et tout. Non, au contraire, ils comptent, je pense qu'ils comptent beaucoup plus que vous dans votre vie. Hein. Tout le temps, pour les, ne serait-ce que pour les bêtes, il faut tout le temps compter pour le bénéfice qu'on va faire l'année prochaine. Et tout le bordel, donc c'est vraiment... Je trouve que c'est un beau métier. Par contre, si tu pouvais te manier... Alors, on va pas lui faire monter des obstacles, madame. Allez. Madame ou monsieur, je ne sais pas. C'est vraiment un très beau métier. En tout cas, moi, j'aime bien. J'ai mon cousin qui est berger. Oh, oh, neuf. C'est bien ma popole. Ah, attendez. Ok, on a rien eu. En plus, ce que j'ai fait était très con parce que... Ah, attends. Hop, ici. Ce que j'ai fait... Eh, viens. Oh. Tu veux pas venir? What? T'es bugué ou quoi? Ah voilà. Oh, oh c'est affreux par contre ça. C'est maintenant qu'on se rend compte que le jeu est quand même assez buggé. Bon, maintenant qu'ils sont... Maintenant que Mojang est aux mains de Microsoft, ça devrait aller mieux. Là où c'est qu'on est, ok, on va passer derrière. Ça devrait aller mieux, je pense que... Il y a déjà là un point 8.1 qui est sorti, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas du tout ce qu'elle ajoute. Parce qu'au moins du... Je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas du tout aux nouveautés. Là vous voyez, on a 1.8, elle est sortie quand même il y a pas mal de temps et... Je découvre le craft des barrières et encore je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai pas que je ne connais pas. J'ai pas besoin de mettre des mods encore pour l'instant. Allez viens Popol, on y est presque. Allez. Les boules sont assez bien faites. Hein. Ah, le pack de ressources. Le ressource pack il est vraiment bien choisi. Allez on y est presque. Tu vas rejoindre ton camarade. Allez hop, rentrez. Oh elle a déjà pendu un œuf. Hop. Alors. On va fermer. Personne ne va s'échapper. Normalement si je fais clic droit. Ah. Tu cherches un amoureux. Ce sera toi. Et là normalement ils vont faire des petits enfants. Regardez comme c'est beau. Oh voilà une petite poule. Est-ce qu'on peut encore se les faire accoupler? Non. C'est quand même pas des bêtes du sexe. What? Ah ça peut peut-être la faire grandir non? Merci le troll. Comment gâcher toutes ces graines? Bon après j'en ai pas mal mais bon. Merci le troll. Attends je regarde à combien de temps on en est. Parce que oui j'ai mis un timer. Ah si je me trompe de touche. Il nous reste pas moins d'une minute. Oh ça passe vraiment trop vite les épisodes hein. Ce que j'ai envie de faire c'est juste poser tout ça dans les coffres. Alors le hopper ici. Le melon. Hop. Oui, on a un stack de blé, des carottes. Les carottes, je sais pas du tout si j'en ai planté. Alors là, on a les émeraudes et les crafts. Putain, ça c'est pratique. Je vais aller voir si on peut planter pas plus de carottes. Parce que le blé, maintenant, commence... les carottes, je sais pas qui on peut les... Ah oui, on doit les vendre au Seigneur des 4 mers. Ça va être un peu plus chiant pour les amener, mais... Oh, genre, c'est drôle. Voilà, vous ne passerez pas ici. La pastèque l'a ordonné. Ouais donc j'ai pas planté de carottes, tu m'étonnes. On va en planter ici un peu sur le fond. Ça augmente quand même un peu. Parce que les carottes c'est quand même... Je préfère les carottes que le pain. Parce que... Déjà ça j'ai l'impression que ça pousse mieux. Et
Et aussi parce que ça vaut... C'est beaucoup plus économique. Une carotte, ça vous rejette... Putain. Oh, excusez-moi. Ça, c'était l'alarme, oui. Oui, donc c'est... ça vous... Enfin, je veux dire, niveau... Niveau économie, on peut dire... en fait, le blé, vous en avez besoin de 3 pour faire un pain. Ça rejette pas mal de... De nourriture de bouffe, mais... Et voilà, c'est plus coûteux et ça prend plus de temps. Donc, je préfère les carottes. Je pense qu'on va faire ça à chaque épisode. Regardez la vie comme elle remonte vite. Oh, sous la pluie. Bon, là, on va pas regarder le soleil. On va se laisser devant notre ferme. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 6. Ciao, ciao.